Nous allons immédiatement, avec le président Ritter, évoquer cette notion de performance, notamment le président Ritter qui, évidemment, au nom du conseil d'administration de l'ANAP qu'il préside, va nous accueillir aussi et lancer ses travaux. Je vous en prie, président. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vivement remercier Jean de Beaupuis d'être venu pour la première fois à notre université d'été. Si bien pour la première fois à l'université d'été, ce n'est pas pour autant qu'il se désintéresse de la NAP. Au contraire, je voudrais le remercier de l'intérêt très vif et bienveillant qu'il porte aux travaux de la NAP, dont il fait d'ailleurs partie en tant que membre du conseil d'administration. Je voudrais, s'il le permet, aussi insister sur le rôle que joue auprès de vous Yannick Le Guen. Je crois que, on peut dire, au quotidien, il est l'interlocuteur de l'ANAP, interlocuteur parfois exigeant, heureusement, mais aussi toujours constructif et qui a permis à l'ANAP de faire ses premiers pas, de progresser et en harmonie, ce qui est sa vocation, avec évidemment la politique nationale telle qu'elle est arrêtée par le ministère de la Santé. Je voudrais remercier Jean-Yves Gral de nous avoir accueillis. Je le fais avec une certaine émotion. J'allais dire que je l'ai vu grandir. En tout cas, j'ai admiré le parcours extraordinaire qu'il a réalisé depuis que je l'ai embauché il y a quelques années comme conseiller médical à l'ARH Île-de-France. En tout cas, merci Jean-Yves et bravo pour ce que tu as fait, ce que tu continues à faire et ce que tu continueras à faire dans le cadre de la santé de notre pays. Je voudrais je ne salue pas individuellement tous les participants à cette quatrième édition de l'Université de la Performance, mais je constate avec satisfaction que la participation est plus nombreuse encore que les années précédentes. Il y a 535 inscrits, si mais les chiffres qu'on m'a donnés sont bons, qui représentent tous les métiers de la santé: médecins, professions soignantes et d'encadrement, directeurs d'établissement. Je voudrais saluer en particulier le directeur général du CHU de Lille, Jean-Olivier Arnaud, et ses collaborateurs, et d'autres directeurs généraux qui sont dans la salle, les représentants, directeurs généraux aussi, et représentants des ARS et des administrations centrales. Je voudrais dire aussi que je suis frappé et satisfait de voir qu'il y a une proportion croissante de représentants du secteur médico-social qui participent à ces journées. Cette importante participation est la preuve que cette rencontre annuelle répond à une attente des professionnels, car elle permet des échanges, des débats et des réflexions sur un thème d'actualité. C'est la preuve aussi que le thème très large et ambitieux retenu cette année, comment mobiliser les professionnels pour réussir le changement, est un thème précisément mobilisateur. Pourquoi ? Vous le savez bien, de très grands progrès, de fortes évolutions, des changements profonds sont intervenus au cours des dernières décennies, aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social, du fait des progrès techniques, des nouvelles méthodes de prise en charge, et grâce aux moyens toujours croissants consentis par la collectivité nationale. Certes, la peur du changement, la difficulté des réformes ne sont pas en France propres au monde du travail, ni de la santé, nous le constatons tous les jours, mais malgré des ressources augmentant d'année en année sensiblement plus vite que la richesse nationale, ces changements ont souvent été ressentis comme imposés par la hiérarchie et subis. Ils ont suscité dans bien des cas des réticences, de la démotivation, dont l'absentéisme est parfois un révélateur, voire des blocages. Or, nous savons que désormais, il faudra adapter les structures et les pratiques avec des moyens beaucoup plus mesurés,
en investissement comme en fonctionnement. La question des organisations, parfois un peu négligée jusqu'alors, devient donc centrale et les modèles hiérarchiques classiques paraissent obsolètes pour les traiter. Alors comment faire ? Il faut changer de modèle pour que l'ensemble des professionnels se sentent concernés par les changements, qu'ils les comprennent, qu'ils soient impliqués et autant que possible qu'ils y adhèrent et se les approprient. Cela vaut pour le secteur médico-social comme pour le sanitaire, pour les petites comme pour les grandes structures, selon des modalités à adapter évidemment à chaque situation. Si on en a pris conscience au sein des équipes de la nécessité de changer et si on a repensé l'ensemble des changements nécessaires, on peut faire évoluer plus aisément les pratiques et les organisations. Le travail participatif permet de donner du sens au projet, ce qui est une condition de la mobilisation des acteurs. Depuis sa création en 2009, l'ANAP se réfère à la définition donnée par l'OMS de la performance en santé. Un système de santé est performant s'il apporte la meilleure des prises en charge aux personnes, s'il apporte les meilleures conditions de travail aux professionnels et s'il demeure d'un coût supportable pour la nation. Cette triple exigence doit servir de référence et d'arrière-plan pour bâtir avec les professionnels de terrain les référentiels, les méthodes, les outils qui permettent de mettre en place les meilleures organisations. Cette université d'été se propose d'enrichir vos réflexions et de débattre avec les orateurs, que je remercie vivement de leur précieuse contribution, selon trois formules qui ont fait leur preuve lors des précédentes universités d'été. D'une part, à l'occasion de conférences et de plateaux débats en réunion plénière dans cette salle. D'autre part, dans le cadre des 7 ateliers de prospective et de 7 ateliers de retour d'expérience auxquels vous vous êtes déjà inscrits et qui donc permettront, dans un cadre plus restreint, de débattre et de faire progresser toute une série de thématiques qui me paraissent essentielles dans le cadre du sujet que nous traitons. Je souhaite bien sûr qu'au terme de ces 2 jours, vous repartiez plus riche de connaissances, d'idées, de projets et aussi de confiance en l'avenir et que vous pourrez diffuser autour de vous ces sentiments. Et je souhaite aussi que l'ANAP, de son côté, s'enrichissent de vos contributions et de vos réflexions pour mieux remplir sa mission et mieux répondre à vos attentes. Bonne université de la performance en santé à tous.